CDT News. Le fruit le plus cher au monde élimine l'anémie en 2 jours et régule le diabète. Connu sous le nom du fruit du dragon, le pitaya est assurément l'un des fruits les plus extraordinaires qui existent. Ressemblant fortement au melon tout en possédant la texture du kiwi, le pitaya est un fruit exotique venu tout droit d'Asie. Découvert il y a un peu plus de 100 ans au Vietnam, il fait aujourd'hui fureur dans tous les marchés d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Mais quel est donc son secret ? Pouvant atteindre 20 euros le kilo, il est difficile de pouvoir profiter aussi souvent que possible des bienfaits de ce fruit miracle. Pourtant, si le pitaya est en train de gagner du terrain dans nos assiettes, ce n'est pas un hasard. En effet, avec seulement 50 calories par 100 grammes, il s'agit ici de l'un des fruits les moins caloriques à l'instar de l'abricot, de l'orange ou encore de la pêche. Celui-ci est d'ailleurs riche en tyramine, un acide aminé favorisant l'activation du glucagon, un agent hormonal permettant au corps d'utiliser pleinement les graisses naturelles stockées dans notre corps comme source d'énergie. Jaune, blanc, rouge. En salade, en confiture ou en jus, le pitaya peut être consommé de différentes façons. Il existe d'ailleurs différentes sortes de pitaya, à savoir le jaune, le blanc et le rouge. Tous sont riches en minéraux et en fructo-oligosaccharides, sucre naturel présent dans certains aliments comme les fruits et qui lutte activement contre l'obésité, les pathologies cardiovasculaires, mais également le diabète. Rien de mieux aussi pour faire le plein d'oméga 3, de vitamine A et C, que d'opter pour ce fruit déjà adulé par les foodies et devenu en quelque temps la star d'Instagram. Régule le diabète et prévient le cancer. Si le pitaya régule naturellement le diabète, c'est grâce notamment aux fructo-oligosaccharides comme précité, il faut savoir qu'il diminue également les infections bactériennes, germes toxiques ou infectieuses, et surtout, les risques de cancer du côlon. Pour garantir un résultat probant, optez pour cette préparation express. Commencez d'abord par nettoyer le fruit du dragon, coupez-le en deux et faites extraire son jus. Disposez ensuite les morceaux du pitaya dans un mixeur, ajoutez-y des morceaux d'ananas, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, puis incorporez de l'eau. Mixez le tout et il ne vous restera plus qu'à déguster votre préparation 2 fois par jour pendant 1 semaine. Un aliment riche en fer. Riche en vitamine C, mais également en fibres et surtout en fer, le pitaya est également imparable pour lutter contre l'anémie. Grâce à ses graines noires et à la vitamine B12 présente dans celle-ci, le fruit du dragon favorise aussi le transit intestinal et participe à la reconstitution du fer dans notre organisme. À l'issue de 2 jours de consommation régulière de pitaya, les premiers signes de fatigue liés à l'anémie commencent même à diminuer. Pour rester jeune plus longtemps, l'un des incroyables pouvoirs du pitaya, c'est qu'il retarde considérablement l'apparition de signes de fatigue et surtout, de vieillesse. Concentré en antioxydants, il ralentit en effet le vieillissement cellulaire et vous permet ainsi de maintenir votre corps en bonne santé. Un allié masseur sans pareil. Riche en fibres, le fruit du dragon facilite également la perte de poids. Il se digère très vite et crée rapidement une sensation de satiété. Une solution minceur riche en vitamines et que vous pouvez facilement mélanger avec d'autres aliments si vous ne voulez pas le manger seul ou cru. Il vous suffit par exemple de mettre la pulpe du pitaya dans un mixeur, en plus d'y ajouter du jus de pamplemousse et un gros morceau d'ananas. Une fois votre mélange prêt, buvez-le dès le matin. Retrouvez le sommeil. Grâce au pitaya, vous pourrez enfin dire que les problèmes d'insomnie sont de l'histoire ancienne. Pour préparer votre infusion à base de pitaya, munissez-vous de 2 cuillères à soupe de fleurs de pitaya et faites-les infuser pendant 5 minutes à l'eau tiède. Laissez refroidir et consommez le breuvage juste avant d'aller vous coucher. Un cœur en bonne santé. Pour préserver et garder votre cœur en bonne santé, notez bien cette recette toujours à base de fleurs de pitaya. Commencez par verser 3 cuillères à soupe de fleurs de pitaya dans un demi-litre d'eau et portez le liquide à ébullition pendant 10 minutes. Filtrez la préparation et dégustez votre thé tout au long de la journée. Votre cœur ne pourra que vous en remercier. Le meilleur remède contre les maux d'estomac, en cas de maux d'estomac, le pitaya se trouve être un remède redoutable. Pour parvenir à calmer vos coliques ou vos spasmes, faites bouillir les tiges du fruit dans 1 litre d'eau pendant 10 minutes. Filtrez ensuite votre préparation et buvez-la également durant toute la journée. Abat les œdèmes, la cystite et les calculs rénaux. Mettez simplement 2 fruits du dragon dans un mixeur avant de les faire simplement mixer avec de l'eau. Les douleurs disparaîtront d'elles-mêmes. Rafraîchissez-vous. Si vous souhaitez simplement vous rafraîchir tout en profitant des bienfaits de ce fruit aux 1001 vertus, offrez-vous un cocktail bien-être. Pour cela, munissez-vous 1 verre d'eau de coco, 1 cuillère à soupe de gingembre haché, sans oublier bien sûr l'ingrédient principal,
à savoir le pitaya, puis mélanger le tout. À déguster sans modération. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations.